Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire notre première vidéo donc sur les produits équilibre et instinct. Vous avez vu, hein, Cécilia et The Boss sont prêts à faire le crash test. Arrête avec ta queue. Donc voici, on va commencer par les comment ça s'appelle, les petits sachets comme ça. Donc, ce sont des produits fabriqués en France, en Normandie. Donc, c'est du local, c'est du régional, on en est content. Formulés avec des vétérinaires. Il y a du cuivre, des vitamines B1, des vitamines E, des fibres. Formulés sans céréales. Ingrédients d'origine naturelle. Donc là, on voit que nous avons, pour les sachets, 4 saveurs différentes, effilé au bœuf, haricots et tomates, effilé au poulet, courge et agrumes, effilé à la truite, courgette et thym, effilé au saumon, ananas et cranberry. Oui, oui, ça rôde, on a envie de goûter. Hein. Oh oui, on a envie de goûter. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai lu tout ce qu'il y avait sur le paquet. Là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a toute la gamme. Toute la gamme, donc, de croquettes, de barquettes, de sachets, de petites, comment ça s'appelle ça, des petites friandises. Une alimentation variée en termes de goût et de texture, une importante sous-hydratation par le biais de l'alimentation humide, une hygiène bucco-dentaire améliorée grâce au plus de la mastication. Voilà. Pour les chats qui se régulent un croquette, disposition, vous pouvez choisir de donner une alimentation humide au moment qui vous convient, matin, midi ou soir. Vous constaterez rapidement qu'ils intègrent bien cette routine alimentaire. Ça, c'est sûr qu'ils intègrent très bien la routine alimentaire, hein, les crash tests. Donc, ok. Donc là, aujourd'hui, ce matin, on va prendre le petit sachet. Donc, effilé au bœuf, haricots, tomates, aliments complets. Donc, pour un chat de 3 kg, oh, arrête, 3 kg, il faut 2 à 2,5 sachets. Un chat de 4 kg, 2,5 à 3 sachets. Et un chat de 5 kg, 3 à 3,5 sachets. Allez, on y va. Alors, au niveau de l'ouverture, on va déjà voir si c'est des sachets de 85 grammes. Si c'est facile à ouvrir, bon, pas de problème. C'est plus le chat qui gêne qu'autre chose. Alors, l'odeur, la texture, alors attendez, bon, j'en mets pour les deux là, pour les occuper, et après je vous montre. Hop. Donc, on peut déjà voir que ils sont contents, ils adorent ça. Alors moi, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai pas de mal à tout enlever du sachet. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? Attendez. Hop. Hop. Au niveau de la texture, donc ben, on voit bien les carottes. Ça sent pas trop mauvais. Enfin, on n'a pas encore déjeuné, on n'est pas prêt, mais ça c'est rien. Ça sent pas ultra fort non plus. Donc ça a l'air appétissant. Il y a pas mal de liquide, donc ça a l'air plutôt pas mal. Bon, les chats parlent d'eux-mêmes, hein, ils aiment ça, ils mangent tout. On va faire venir Nirvana, voir si on a du 3 sur 3 ou il y a mon gros chat. T'en veux? Non, tu boudines? Alors des fois je fais une partie 2, hein, parce que ce qui boudine. Bébé, viens. Non, tu boudes. Il boude. Peut-être il n'a pas faim aussi. Hein. Pas qu'il n'aime pas. Hein. On fera le test demain ou dans l'après-midi. Je ferai un deuxième crash test avec le même produit pour Nirvana. On fera partie 1, partie 2. Bon, ça, en tous les cas, The Boss là. Hein, petit cœur avec son petit crâne rasé là. Et Cécilia, donc, bah, eux, ils aiment ça, en train de tout dévorer. Je suis sûre qu'elle va finir la gamelle à Nirvana. Mmh.
Nirvana est parti boire un verre. Un verre. Parti boire à la fontaine. Donc on remarquera quand même que donc Cecilia mange complètement sa gamelle. The Boss, par contre, il a mangé toute la gelée. Vous voyez comment c'était avant. Ça, il nous montre le produit avec et sans le liquide. Donc peut-être que, quand même, il n'est pas tout à fait, tout à fait satisfait de ce produit-là. En tout cas, il aime le goût de la sauce. Donc on fera un deuxième crash test. Je ne sais pas si je le fais dans la journée ou demain matin. Sur le même, on va rester sur la même, sur le même goût pour avoir une deuxième évaluation. Bon, alors Cécilia, par contre, elle adore. Vous voyez, je ne vends pas. Tout fini. Voilà pour ce petit crash test. Donc je rappelle, c'était bœuf. Ah oui, j'ai eu des haricots tout à l'heure. Bœuf, effilé au bœuf, haricots et tomates. Voilà. Chat adulte et chat stérilisé. On m'entend bien maintenant. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut!